Bon, et bon match, hein? Bon match à toi, merci. On fait 6 heures de route et ça vient pas saluer les supporters, voilà. C'est pas sympa. C'est pas sympa, ça, les gars. C'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est arrivé pour ce deuxième match à Stuttgart pour le match entre la Belgique et l'Ukraine, évidemment. Donc on espère qu'à la fin de cette vidéo, j'aurai le même sourire que maintenant. On vient d'arriver sur le parking, hydrache. On était en Belgique, il y avait du soleil, il faisait 40 degrés. On arrive à Stuttgart, il fait 15 degrés, il pleut. Pour nous accompagner donc dans cette vidéo, nous sommes accompagnés de 3 personnes qu'on n'a jamais vues dans les vidéos. Comment on va faire pour vous présenter, les gars? Parce que là, il y a un petit... chauffeur de car. Bon, on est avec le chauffeur de car, bonjour. Bonjour les mecs. Cédric, ça va? En forme? Très bien, très bien, super. Hein, en forme? Monsieur chauffeur de car numéro 2. Numéro 2 en réserve. Voilà. Comment ça va? Tout s'est bien passé. Bonne route. Tout va bien, il pleut. Voilà. Tout va bien. Et chauffeur de car numéro 3, voilà, ça va bien. Yeah, oui. Ça va, super. On perd pas plus de temps, on se dirige à la marche des Belges parce qu'on est un peu en retard. Elle a commencé plus tôt parce qu'il fait dégueulasse. Et on doit retrouver Julien qui est déjà dedans. Allez, on rejoint la marche dans l'autre sens. On a fait la marche inversée après 12 km et maintenant on va la faire avec eux dans l'autre. On repart dans l'autre sens. Salut. Bonjour les gars. Bon, on a retrouvé un petit supporter, là. Comment tu vas bien? Ça va ou quoi? Ça va, en forme. Comment tu vois ce match? Moi, ça va, hein, évidemment. Bah, pronos, j'attends 3-1 avant que tu me demandes. 3-1, ouais, mais j'ai mis 3-1 pour la Belgique. 3-1 pour la Belgique avec un Lukaku qui va confirmer aujourd'hui. Exact. Mais je pense exactement la même chose que lui. On n'a pas encore fait les pronos, mais je pense exactement que ça va être 3-1. Voilà. Impeccable. J'espère que ça sera comme ça. On espère. Bon, allez, bon match, hein. Bon match à toi, merci. Merci. Bon, quand même une marche sympathique, il y a du monde, hein. Il y a du monde, franchement c'est bien, regarde. C'est quand même bien rempli. Ça va les gars? Attends, vous êtes en zoom, c'est horrible. Ça va en forme? Ça va les gars? 3-0, 3-0. Moi j'ai dit 3-1. 3? Ouais, 3. Il est là! Il est là, on l'a retrouvé! Salut. Ça va avec son acolyte? Toujours là. L'acolyte. Notre Julien national, comment ça va? Ça va. Qui n'a pas beaucoup dormi parce qu'il est parti avec un bus de supporters à 2h du matin. Voilà, il est mort. On a un peu dormi dans le parc du meeting punk. C'est ça qui est beau. Sous la pluie dans le parc, voilà, c'est magnifique. Bon, on se dirige vers le stadium. Ouais. Ton pronostic? 3-1 aussi. Ouais. Tout le monde dit 3-1. Voilà, tout le monde dit 3-1. On veut une grosse victoire de la Belgique pour entamer cette session des knockout stage dans la droite du tableau contre la Slovénie. Exact. Et on aimerait bien, c'est parti vers la finale. Oh, bien sûr, tout à fait. On n'oublie pas, max de like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et la vidéo commence maintenant, Julien. Yes. C'est maintenant que ça commence. C'est parti. C'est parti. Stadium, on passe le contrôle, on se retrouve à l'intérieur. Bon, ça y est, nous voilà rentrés dans ce stadium. Bon, les gars, première impression de ce stade joli de l'extérieur, on va voir à l'intérieur. Je confirme. Allez, ben nous voilà dans le stade de Stuttgart. Hâte de découvrir ça en tout cas, on va voir ce que ça donne. On a retrouvé notre ami John qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. Comment ça va John? Attends, comment ça va, en forme? Ça va en forme, hein. Pour la première place en forme, hein. Bon, comment tu vois ce match?
Oh, on va gagner 2-0. 2-0 ? Ouais, bonne colonne du Moi j'ai dit 3-1 donc... on verra hein. On verra. Bon et alors on est avec un personnage qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Le fameux Capot. Comment tu vas ? Ça va, c'est toi qui mets l'ambiance en ce moment avec les groupes. Ouais, on essaye de faire le maximum. On espère qu'aujourd'hui ça va prendre et qu'on va aller chercher cette première place. Ouais, il faut. On va le faire. De toute façon il va tout donner, on sait, il va tout donner. Je le connais, il va tout donner. Bon j'espère que vous allez kiffer parce que là on est extrêmement bien mis. Le moine, un petit mot pour ma petite vidéo. Un petit mot, on va gagner premier et on va tomber de la bonne partie. Et sinon, si on est deuxième, on va niquer la France. Bon voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. On risque de se rencontrer en 8ème de finale, ami français, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. On a rencontré un français dans le club belge, un Marseillais qui supporte les Belges, et ça c'est beau. Allez les diables. Bon, comment tu vois cette rencontre? Comment tu vois cette rencontre aujourd'hui? Ça va pas être facile, mais bon, il faut la victoire. Victoire des Belges, de toute façon, du gâteau. Impératif. Bon, ça serait beau qu'on rencontre les Français en 8ème, hein. Même si ça me fait un peu peur quand même. Bon, j'ai rejoint mes trois acolytes. Ça va les gars? On est bien là. Là on est bien. Come on Belgium. Bon, j'ai été un petit peu en bas pour ce qui se passait, mais je pense qu'on aura une plus belle vue ici. Ouais, on est bien. Attends, avec les Ukrainiens, attends!
Non, c'est bon. Donc je disais que là, on avait marqué directement, mais ici, toujours 0-0 après 35 minutes de jeu. Pour l'Ukraine. Oh. Allez, 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 allez. Oh. Belle action, là, des Belges, franchement, c'était bien joué. Franchement. Bon, ça y est, c'est la mi-temps, 0-0. Les gars, 0-0, mérité ou pas mérité? On avait bien commencé, on avait la possession, une ou deux actions, mais après, ça c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est pas, moins, moins d'occasion en fin de deuxième mi-temps. Ouais, mi-temps compliqué avec la Belgique qui... Moyen, moyen. On va se reposer, on se retrouve quand le match reprend, avec les Belges qui attaquent en face de nous. Je pense que c'est ça qu'ils attendent. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils attendaient. On peut venir par ici? Ouais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attend. Allez, passer pour une deuxième mi-temps. Allez, hein. Et maintenant la Belgique attaque juste en face de nous, donc c'est très bon. La 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 la. Come on, come on Belgium. La 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 la. Come on Belgium. Trossard. Ah dommage. Ah là là là. Allez. Les Belges qui poussent, bon, il y a des Belges qui poussent, allez allez. Le coup. Le coup. Ah dommage. Ça c'est bien joué ça. Allez, 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 allez. Ah, ah. Allez, allez, allez. Cœur d'air pour la Belgique mon vieux. Tous ensemble, tous ensemble. Allez, Youri, Youri. Ah. Vas-y, vas-y. Ah bah je gueule comme un dingue. Ah, allez, allez, allez. Belgium. Belgium. Faut chanter un moment. Ah. Bon allez, on a une belle séquence la Belge, mais la finition c'est toujours pas ça, franchement. Bon, dans l'état actuel des choses, on est qualifié, mais si l'Ukraine marque, ça pue. Là ça pue là. Un changement pour la Belgique, sortie de Tielemans et montée de Mangala. Vas-y, remets-le, remets-le, allez, remets-le, vas-y, remets-le. Oh. Putain, on sent le stress quand même, hein. On sent le stress dans ce corps. Attends, attends, allez, allez. Mais non, mais non. Ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey. Allez, 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 allez. Bébé. Sacré arrêt de. Sacré arrêt de Castells à la 90e minute là. Ah, le public. Le public ici à Stuttgart est mécontent. Mécontent de ce qu'il voit mais. Allez Kevin. Allez Kevin. Allez. Allez Romelu. Allez Romelu. Ah. On est dans une situation, un but partout dans l'autre match entre la Roumanie et la Slovaquie. Et ben là clairement s'il y a une des deux équipes qui marque, ben, elle élimine l'autre en gros.
En gros, c'est ça. Hein. Ouais. En gros, c'est ça. Hein. Changement, Lukaku qui descend à la 89e et Openda qui monte. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes pour marquer un but. Allez, allez. Allez, 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 Yannick. Mon vieux, quelle frappe! Allez, 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 allez! Allez, corner pour les Belges! Corner pour les Belges! On est dans la deux dernières minutes! La dernière minute, je sais pas. Entre la Belgique et l'Ukraine. Et la Belgique a qualifié, mais c'est un mauvais 0-0. Sincèrement, un mauvais 0-0, les gars. Ouais, on ne retiendra que la qualification. Ouais. C'est vraiment pas terrible. Et du coup, on jouera les Français à Düsseldorf. Le sifflet du public, comme ça a pu l'entendre. Je sais pas si. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si c'est bien de les siffler, parce qu'on est quand même qualifié. Le deuxième du groupe. On a tous 4 points. 4 points, 4 points, 4 points et 4 points. Ah ben. Allez, il se bat, allez. Ouais, c'est grave ce qui se passe ici, c'est grave. Les joueurs du coup qui viennent pas saluer les supporters. Pour les siffler du public. C'est un truc de fou, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont l'air d'être satisfaits par la performance et ils voulaient se faire acclamer alors qu'ils ont vraiment pas été terribles et qu'ils sont qualifiés juste à la différence de but. Il n'y a pas lieu d'être heureux. Il y a de la tension dans la tribune, hein. Franchement, ça... C'est tendu dans la tribune entre les supporters. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui huent, franchement. Ah, il y a les deux. Après, ouais, il y a les deux. Il peut y avoir les deux sentiments. Parce qu'on est qualifié, mais en même temps, ça n'a pas été un très grand match. Et puis en plus, ils sont pas venus nous saluer, alors que la plupart d'entre nous font énormément d'heures de route pour venir les voir. C'est un peu dommage. On fait 6 heures de route et ça vient pas saluer les supporters, voilà. C'est pas sympa. C'est pas sympa, ça, les gars. Bon, bah dis ce que tu penses. Bah, c'est honteux de jouer le match nul quand tu peux aller dans un tableau, côté de tableau avec des nations beaucoup plus abordables. Non, ils jouent le match nul et maintenant on va se taper le tableau où tu as les grandes nations. C'est vraiment honteux de faire des choses comme ça. C'est un manque de respect vis-à-vis des supporters. Moi je veux te demander, qu'est-ce que tu penses des joueurs qui ne sont pas venus en fin de match? Parce que ça aussi, ils sont pas venus parce qu'on les a sifflés, ils sont choqués, ben voilà, c'est tout, ils peuvent, je peux les comprendre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que nous les supporters, on a envie de gagner un trophée, de gagner un titre. Est-ce que en allant dans la colonne où il y a l'Espagne, la France, je ne sais pas quelle grande nation il y a, est-ce que c'est intelligent d'aller de jouer ça? Par contre, eux, les Français, c'est ce qui est la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils vont jouer match nul, justement, pour aller dans la colonne plus facile. Mais nous, on n'est pas capable de le faire. Nous, on plonge dans la gueule du loup. Maintenant, ça tombe, ouais. On va gagner. Ouais. Voilà, je ne dis pas. Mais, bon, ouais. Mais là, on a joué dans les 5 dernières minutes. Ils ont joué comme ça. Pour le peu, on s'en prend un, on est éliminé. C'est de ça que j'en aurais envie. Ouais, c'est vrai. Non, il a raison, c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure en haut. On n'était pas à l'abri d'un but, quoi. Voilà, on est sorti du stadium. J'ai pas envie de vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'à mon avis c'était pas dingue. On n'a pas eu le meilleur match de l'année. Comparé à Cologne. Ouais, il fait des pompes tiens. Et comparé à Cologne. Il y avait un monde d'écart franchement. Cédric, les gars. Bon. Ambiance, ouais. Ouais, hein. Tout à tout niveau, le match, à tout niveau, l'ambiance. Ouais. Voilà. Bon, on va essayer d'aller à Düsseldorf quand même, hein, pour ma part. Ouais. Mais voilà, j'espère voir autre chose. Parce que face à la France,
Voilà, t'as compris quoi. Tu vois, on verra. Bon, merci. Merci beaucoup. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien aujourd'hui qu'à 0-0 et on va faire mieux contre la France. Tu penses? Je pense bien. Oh, un peu mitigé, mais on attend le match de lundi avec impatience. Ouais, voilà. Voilà. On verra ce que ça donne lundi. Bon, allez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas, max de likes, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Et peut-être à lundi, si j'ai des places. Et si j'ai congé. Voilà. Allez, sur ce, on rentre, 6 heures de route. Ça va piquer. Ça va piquer. Allez, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao. From a year ago with no deal. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how the shit feel. Three times for my family, dog, cause the shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deal.